Hello à tous, bonjour l'équipe des Lions, la team des Lions, comment allez-vous? J'espère que vous vous portez bien. Bienvenue sur ma chaîne pour les nouveaux qui venaient tout juste d'arriver maintenant. Donc je me présente Elena Coach Intuitive, je vais vous présenter une lecture intuitive pour tout le mois d'août 2021. Déjà avec un petit peu d'avance, je vous souhaite à tous un joyeux anniversaire. Pour cette lecture intuitive, je vais faire un petit peu différemment des autres fois. J'ai décidé de débuter avec cet oracle qui est de Caroline Miss, une carte des archétypes. J'espère que vous allez beaucoup aimer. J'ai eu déjà des très bons retours pour les autres signes que j'ai déjà préparés. Donc, c'est une pionnière dans le domaine de la médecine énergétique et de la conscience humaine depuis 1982. Alors, c'est parti. Donc, au menu aujourd'hui, ça va être du consistant. Donc, une carte de Caroline Miss. On verra un petit peu. Alors, je vous explique. Ouais, ce sont des archétypes. Donc, joueur, sauveur, don Juan, ermite et tout ça. Et elle sépare bien la part lumière du joueur et la part plutôt sombre, la part d'ombre du joueur, du sauveur, l'enfant orphelin, don Juan, ermite, etc., etc. Et on verra laquelle des cartes sera pour vous aujourd'hui. Ensuite, en menu principal, bah, comme d'habitude, l'oracle des miroirs, bien consistant, ça tient bien. Ensuite, je vais danser entre ces trois oracles, hein, entre le petit oracle de Corinne Madelin pour apporter un petit peu plus de légèreté, un peu plus de douceur sur le plat principal, rajouter aussi un peu de douceur avec le 77, le nouveau et l'ancien d'Aliaské, et puis comme petit digestif, le petit truc, le petit moment de bonheur, le petit moment tout doux, toujours une petite carte angélique pour confirmer un petit peu ce tirage. Voilà, qu'en pensez-vous? C'est parti? Ok, go, let's go! C'est parti pour les lions. Alors, une petite carte de Corinne Miss. N'hésitez pas à me faire un petit commentaire pour me dire si vous avez aimé l'intégration de cette carte dans mes tirages. Ça me ferait plaisir de voir aussi votre retour par rapport au choix de mes cartes. Allez, c'est parti les lions. Tadam! Samaritain. Ah bah alors ça, je vais la mettre en carte centrale. Pour les lions, allez, on va lire. La part de lumière du Samaritain, c'est laquelle pour vous? Affine votre capacité à aider même ceux que vous préfériez ignorer. Ça, c'est la part lumière du Samaritain. Et quelle est sa part d'ombre du Samaritain? S'attend à recevoir de l'appréciation et de la reconnaissance pour l'aide qu'il offre aux autres. Un grand oui, mettez un petit pouce les lions parce que ça vous parle à vouloir toujours aider, accompagner et puis on attend en retour. On attend qu'on apprécie ce que l'on fait. J'espère que cette carte va vous parler. Donc, au fur et à mesure du tirage, je vais voir si je vais pouvoir l'intégrer au centre du tirage avec l'oracle des miroirs ou pas. D'accord? Je l'ai fait comme ça avec d'autres signes. Allez, c'est parti, mes petits Samaritains. On va vous solliciter cet été. On va vous demander de l'aide cet été. On va regarder. On va regarder. On va regarder. C'est parti pour les lions. Allez, on s'accroche. Un beau tirage, il pleut ici à Genève. Ouh, on nous parle de trahison, quelque chose. J'espère que cet orage ne va pas être trop fort. Allez, c'est parti pour les lions. Allez, hop. Bon, on parle de la joie. Là, il y a de la joie. On débute le mois. Ben, si c'est votre mois d'anniversaire, donc le contrat. Ouais, je vois déjà où est-ce qu'on avance. Ok. Ok, juste avec ces cartes. Ok, je mets la carte Samaritain au centre parce que j'en ressens le besoin. Le retour. Fatalité. On va regarder avec la maison. Et puis des changements. Ok, tout ça va prendre un petit peu de temps. Bon, là, c'est votre période d'anniversaire. On est sur un tirage plutôt gentil. Mais, on va regarder quand même ce qui se passe, hein. Donc, j'ai décidé de mettre la carte Samaritain au centre de ce tirage. Pourquoi? Parce que
Je sens que vous avez ou vous allez aider quelqu'un dans le besoin ou vous l'avez fait peut-être les mois précédents. Et puis ici, on sent un retour de votre de ce que vous donnez, hein, donc vous donnez et vous recevez. Ça, c'est la part lumière du Samaritain. Regardez comme elle s'est très très bien positionnée. Et chez les Vierges et les Scorpions, c'était de la même manière, hein. Part de lumière, regardez ces cartes positives que nous avons en haut et la part d'ombre qui est plutôt ici négative, les cartes d'en bas. Donc ça m'indique ici, je vais prendre ma petite pierre, qu'au courant du mois d'août, on va vous solliciter. On va vous solliciter à vous de voir si oui ou non vous apportez soutien à autrui ou pas. On sent qu'il y a quand même du changement ici chez vous, ou maintenant, ben non. Je fais comme bon me semble, parce que j'ai fait un énorme travail sur moi depuis un certain temps et que maintenant, regardez le travail intérieur, ici il y a du changement chez vous depuis tout cet hiver, hein, il y a dû avoir des événements, pardon, printemps, voilà, hiver-printemps, il y a eu des changements chez vous, des problèmes au sein de votre foyer, des difficultés que vous avez traversées, des douleurs, des moments difficiles, et là on voit que vous réfléchissez. Vous réfléchissez à qui vous aider ou à qui vous pouvez demander de l'aide. Sur le plan professionnel, vous allez être effectivement sollicité. On va vous demander du soutien, on va vous demander de l'aide. On va peut-être vouloir, ouh, l'orage, on va peut-être vouloir vous demander de signer un contrat, un partenariat. Ici, on vous demande quand même d'avoir les yeux attentifs, hein, sur vraiment. Pensez d'abord à vous ici, avec la carte maison qui revient deux fois ici, on est concentré sur votre bien-être. D'accord? Il y a des choses effectivement que vous allez entreprendre cet été qui va vous apporter de la joie et du bonheur. Hein, peut-être l'organisation de votre anniversaire, une belle rencontre sentimentale, peut-être on a ici pour certains lions un accord, l'envie de se marier, l'envie de fonder une famille ici. On peut vous faire une demande ici qui sera surprenante, mais que vous allez accepter. Pour d'autres, on a une part d'ombre qui est un peu plus forte ici pour les lions, dans le sens où. On m'indique que vous avez peut-être l'envie d'un retour avec une personne du passé en qui vous culpabilisez beaucoup parce que c'est peut-être terminé et puis là vous attendez, comme indique cette carte, hein, attend à recevoir de l'appréciation et de la reconnaissance pour l'aide qu'on a offerte à autrui. Alors, vous êtes dans l'attente, et vous culpabilisez. Cette culpabilité ou cette souffrance, cette douleur ici, elle est déjà là, installée peut-être depuis un certain temps. Qu'avez-vous appris de ces deux expériences? Qu'apprenez-vous aujourd'hui en écoutant cette lecture? De cette part de lumière du bon Samaritain et de sa part d'ombre. Votre générosité, je vais être un peu dure là, mais j'ai ma petite pierre pour m'adoucir. Votre générosité, mes amis lions, n'est peut-être pas toujours utile. Votre générosité peut parfois vous mettre dans des problèmes. Votre générosité à vouloir aider, à vouloir attendre qu'on vous apprécie parce que vous donnez, vous met souvent en culpabilité ou en souffrance. Et ici, pour le mois d'août, on est dans une lecture intuitive, donc on vous apporte des outils, des conseils. N'attendez rien. N'attendez pas de recevoir de l'appréciation. N'attendez rien en retour. Donnez parce que cela vous apporte de la joie.
Donnez parce que vous êtes en accord avec vous-même. Ici, nous avons certains lions, peut-être pas tous, qui attendent un geste, un téléphone, un changement, une modification. Vous attendez que qu'on vous apprécie pour peut-être tout le travail que vous avez accompli durement durant ces 6 derniers mois, ou ça peut être au travail, où vous attendez que votre chef reconnaisse le travail que vous avez fait, ou peut-être au sein de la maison, que votre conjoint, votre mari, votre enfant puisse reconnaître tout ce que vous avez sacrifié, peut-être pour certains, tout ce que vous avez donné. Comme si vous attendez de l'appréciation. Si ce tirage ne vous parle pas, c'est pas grave, d'accord? C'est juste peut-être un message sur tout ce qui est donner et recevoir ici avec ce tirage, d'accord? On peut ressentir ici quelques petites problématiques au sein du foyer, ici, hein? Des difficultés de communication, des difficultés à se mettre en accord hein, avec votre conjoint ou avec vous, voilà, avec les enfants, en tout cas à trop vouloir aider, voilà, à trop vouloir aider, vous vous mettez dans des problèmes. Voilà, en gros, c'est un peu ça. Hein, et tout ça a lieu de changer ou de s'adapter. Il faut que ça change. Il faut que ça change. Voilà, on voit qu'il va y avoir un travail chez vous et un travail de, voilà, un travail de développement personnel peut-être sur donner, recevoir, trop de générosité et surtout, c'est cette culpabilité en fait. Quelque chose dans mon cœur ici, je sens que c'est, ça vous rend triste parfois. Comme si ça vous rend triste d'aider en fait. Comme si ça vous rend triste de ne pas recevoir plutôt, oui, pardon. Alors, on peut l'interpréter, c'est très intéressant parce que regardez comme c'est joliment fait, on a le doigt ici part de lumière et on a ici part d'ombre. Vous voyez, c'est incroyable, cette culpabilité, elle peut être positive pour vous, mais elle peut aussi venir contre vous. Mais il y a un retour au changement ici. On sent qu'il y a des lions qui vont s'adapter et qui vont changer. Quelle carte je vais prendre? Allez, on va adoucir tout cela avec le petit oracle de Corinne Madelin. Laissez-moi des petits messages en commentaire si ce tirage résonne en vous. Moi, je le trouve très intense. Voilà. Bon, bah, tout cet été, ça va être bien. Hein. Il y a de la joie. On laisse un petit peu cette culpabilité de côté, là. C'est juste ces deux cartes, là. C'est votre période d'anniversaire. Allez, on se fait plaisir durant tout cet été. On rentre en accord avec soi-même ici. On peut avoir des contrats signés cet été. Waouh! On se fait plaisir. On rentre peut-être dans un nouveau cycle ici. Hein. Vous voyez, là, il y a la roue qui tourne ici, là, elle tourne ici. On se fait plaisir. Là, on a des lions qui se font plaisir. Mais ce n'est pas du tout un plaisir, ce n'est pas donné aux autres ici. C'est un plaisir pour vous. Oula. Ok, communication. Voilà, ça va être ça. C'est pas grave, c'est pas grave, c'est pas grave. C'est pas grave. On a des difficultés, voilà, il y a des changements. Mes amis Lyon, un peu de douceur ici. Il y a des communications qui vont être difficiles au sein du foyer, là, au mois d'août. Je sais, c'est votre anniversaire. Passez au-dessus, quoi, c'est tout. Faut passer au-dessus ici. On peut sentir des communications, ou peut-être vous-même, hein, vous. Vous faites du mal à vous-même en vous disant des choses plutôt négatives, pessimistes. Donc vous vous culpabilisez et tout ça peut être un obstacle pour vous. C'est une petite part d'ombre ici pour vous. Ça a lieu de changer ici, donner beaucoup plus d'harmonie, plus de joie dans votre cœur ici. On va regarder, donc je ne vais pas prendre le nouvel oracle du 77, je vais prendre l'ancien. Je vais prendre l'ancien. C'est
l'anniversaire des lions. Hop. Là, on a du de la renommée, du nouveau. On met un peu d'harmonie ici. Et puis, ouais. C'est parce que là, vous trouvez votre équilibre. Waouh. C'est dommage que cette carte, elle n'était pas ici, au-dessus. Enfin, c'est pas grave. Vous mettez de l'équilibre ici, sur ce côté bon samaritain, à vouloir aider tout le monde et à ne pas recevoir en retour. Vous allez trouver votre équilibre. Vous-même, tout seul, comme ça. Au mois d'août, on trouve son équilibre. Et je pense que pour certains, il va falloir couper des liens peut-être, hein, couper des liens avec, voilà, peut-être couper des liens avec, avec un homme ou couper des liens avec quelqu'un de la lettre H afin de trouver un équilibre. J'ai deux fois la carte changement ici. C'est clair que vous rentrez dans un nouveau cycle. Et il y a ces deux choses ici qui pour vous sont importantes de mettre de côté. D'accord? C'est cette culpabilité, c'est de se dire que je suis toujours là pour les autres et que de l'autre côté, il n'y a pas de reconnaissance. Hein. J'ai le mot reconnaissance ici qui résonne en moi. De la valorisation, c'est ce que le lion il veut ici, de l'appréciation. Alors, si vous n'êtes pas lion et puis que vous regardez ce tirage, vous êtes le conjoint ou la conjointe d'un lion. Ici, il a vraiment des choses au fond de lui où il se sent pas bien par rapport peut-être à de la valorisation et de l'appréciation. Apportez-lui du bonheur, hein, tendez-lui de la joie, il en a besoin ici, notre ami lion, ici au mois d'août. Je ne dis pas que ça va être un mauvais mois pour vous, ce n'est pas ce que je suis en train de dire, mais c'est ce travail, hein. Une lecture intuitive, c'est sur quel point je peux travailler. Et là, voilà, je pense que ce point-là serait à travailler ces trois prochains mois, ce n'est pas que pour le mois de... que pour le mois d'août, bien évidemment, mais d'apporter un équilibre, ce qui serait bon pour vous, mes amis lions. Moi, je vous aime comme vous êtes. Ok, voilà, donc on va adoucir ce tirage. On va adoucir ce tirage avec une carte. Est-ce que je prends une carte de... Non. Voilà, non, on va en prendre une ici des anges pour nos amis lions. Tirez profit des différences, chiffre numéro 14. Alors les chiffres que nous avons ici, c'est le 58, 77, 19 et le chiffre 12. Alors, tirez profit des différences. La diversité est une richesse. Vos idées couplées aux idées d'autres personnes peuvent déboucher sur une merveilleuse idée. Commencez par voir les points communs, puis travaillez ensemble pour trouver des compromis. Tout est une question d'équilibre. Ne soyez pas intransigeant. Intransigeant. Ça va être ici où on sent ce côté un peu plus radical ici, comme si, ouais, mais j'en ai marre de tout le temps donner et pas recevoir, ou de tout le temps faire plaisir aux autres et qu'à la fin, voilà. Ça va être des communications un petit peu tranchées qu'on pourrait avoir ici avec les lions ici. Ils vont plus laisser faire, là. Ça suffit un petit peu ici, des communications au sein du foyer. Alors, je donne un exemple, mais c'est pas ça. Hein. On peut très bien être dans un cas de figure où vous investissez beaucoup sur l'anniversaire de votre frère, sœur, oncle, tante et tout. Et là, ça peut être votre anniversaire et puis du coup, c'est pas comme vous attendiez. Ça peut être quelque chose comme ça. C'est un exemple hein, que je donne. Hein. On peut en avoir d'autres. Et puis là, vous allez oser dire, vous allez oser le dire, tout simplement. Je vais prendre une deuxième carte parce que je trouvais qu'elle se mariait pas trop... Avec le tirage, j'en prends une deuxième.
quatre de l'émotion. Des personnes merveilleuses ne demandent qu'à vous venir en aide. De nouvelles opportunités s'offrent à vous, mais vous ne les voyez pas ou ne croyez pas en elles. Vous avez toute l'attention de vos anges gardiens. Oh, il est doux ce message. Regardez autour de vous. Rêver éveillé ou regarder au fond de soi permet d'y voir plus clair et d'agir afin que les rêves se réalisent. Magnifique, donc vous êtes accompagné, super beau. Voilà mes amis lions, j'espère que ce tirage va vous aider. C'est pas un tirage négatif, j'attire votre attention, c'est plus une guidance, hein, des conseils pour que vous puissiez accueillir peut-être des petites complications ou des événements qui peuvent arriver au courant du mois d'août. Si ça vous parle, c'est bien. Si ça ne vous parle pas, on met de côté, ce n'est pas pour vous. Une lecture intuitive n'est pas censée vous rendre triste. Une lecture intuitive est là pour vous accompagner et pour vous aider parfois à prendre des décisions ou pour vous éclairer sur une situation. Ok, pour moi, c'est important d'insister sur ce point. Ok, mes amis lions, je vous souhaite à tous un super bon anniversaire. Merci infiniment pour vos likes, vos partages, vos commentaires, vos petits WhatsApp après que j'ai mis une vidéo me remerciant de mon travail. Et puis enfin, si vous désirez un accompagnement avec moi en coaching, n'hésitez pas à regarder les petites informations qu'il y a là maintenant, là autour de la vidéo, où vous pouvez réserver une consultation avec moi pour 30 minutes ou pour 1 heure. Voilà, je vous envoie toutes mes ondes positives et je vous dis à très bientôt, mes amis lions. Au revoir.